Salut, donc nous voilà de retour dans cet exercice dans lequel on jetait depuis le sol un objet dans les airs afin qu'il atterrisse sur une plateforme située en hauteur. Et on a déterminé à partir de la vitesse initiale de l'angle par rapport à l'horizontale avec lequel était jeté l'objet, on a déterminé le temps passé en l'air et grâce à ce temps passé en l'air, on a pu calculer le déplacement horizontal mais également le déplacement total final. Alors maintenant, ce qu'on va, on va s'intéresser à la vitesse finale de l'objet au moment où il atterrit la plateforme. On va s'intéresser notamment à la norme de cette vitesse finale, mais également l'angle par rapport à l'horizontale qu'a le vecteur vitesse au moment où l'objet atterrit sur la plateforme. Alors pour pouvoir déterminer cette vitesse finale, on va décomposer le vecteur vitesse en deux composantes, une composante horizontale et une composante verticale. Et la composante qui va être la plus facile à calculer, ça va être Vx petit f. Puisqu'en effet, étant donné qu'on néglige la résistance de l'air dans cet exercice, notre objet ne va pas être freiné par l'air. Et donc, le poids étant la seule force qui s'applique sur notre objet, aucune force à composante horizontale ne s'applique sur notre objet. Donc, la vitesse horizontale de notre objet est constante dans le temps, ce qui revient à dire que Vx petit f est égal à Vx petit i. Et donc, Vx petit f est égal à la norme du vecteur vitesse initiale multipliée par cosinus de θ. Et là, ici, j'ai bien donné la valeur algébrique et non pas la norme. Alors, il se trouve que la norme et la valeur algébrique sont les mêmes puisque la composante de notre vecteur vitesse finale est dans le même sens que notre vecteur i, mais ici, c'est donc bien la valeur algébrique. Donc, une fois qu'on a ça, il nous reste maintenant à nous intéresser à Vy petit f. Et Vy petit f, pour pouvoir le calculer, eh bien on va utiliser tout simplement une relation qui dit que la variation de la vitesse est égale à l'accélération. Cette relation qui nous dit que delta v est égal à vf moins vi, donc en l'occurrence Vyf moins Vyi, cette variation de vitesse, c'est égal à l'accélération multipliée par delta t. Et cette relation n'est valable que parce que l'accélération de notre objet est constante, et elle est constante grâce au fait qu'on a négligé la résistance de l'air et que la seule force qui s'applique sur notre objet est son poids. Et donc pour obtenir Vyf, il suffit de passer Vyi de l'autre côté du signe égal pour obtenir Vyf est égal à A fois delta t plus Vyi. Et en réalité, dans cette expression, A, c'est bien sûr AY. A et AY sont un seul et même vecteur puisque A est parfaitement vertical, donc il est égal à sa composante verticale. Et je peux donc très simplement enlever les flèches de dessus mes vecteurs pour obtenir directement les valeurs algébriques et obtenir notamment la valeur algébrique de Vyf. Et ça va être égal à, je l'ai rentré dans la calculatrice, moins 9,8, c'est la valeur algébrique de l'accélération. Hein, ici, ça c'est la norme, mais la valeur algébrique c'est moins cette valeur puisque G et A est orienté dans le sens opposé à J. Et donc moins 9,8 fois 5,7 le temps passé en l'air, plus 30 fois sinus 80. 30 fois sinus 80, c'est tout simplement la vitesse initiale verticale. Et ça nous donne moins 26. 31 et des poussières. Encore une fois, on a deux chiffres significatifs, donc on va arrondir à moins 26 pour pouvoir écrire que Vyf est égal à moins 26 mètres par seconde. Et on est rassuré d'avoir une valeur négative, puisque on se doutait bien que Vf étant orienté vers le bas, et notamment la composante verticale de vecteur vitesse finale étant orientée vers le bas, dans le sens opposé à J, on s'attendait à avoir une valeur algébrique négative, et c'est bien ce qu'on a, donc on est rassuré pour l'instant. Alors maintenant, il nous reste à obtenir la norme du vecteur vitesse finale, mais avant, on va faire l'application numérique de la vitesse horizontale finale. Et je l'ai fait ici, on obtient 30 fois cosinus 80 qui est égal à 5,2, trois petits points. Et ça, on l'écrit avec deux chiffres significatifs, donc on arrondit ça à 5,2. On a donc Vxf qui est égal à 5,2 mètres par seconde. Et enfin, pour obtenir la norme de Vf, il suffit de prendre la racine carrée de
Alors, la norme ou la valeur algébrique, peu importe, hein, puisque ça va être élevé au carré. Donc, je vais écrire directement sans me préoccuper de la notation norme. Vx petit f plus Vy petit f, chacun étant au carré, bien entendu. Et l'application numérique de ça, elle est très simple. Je l'ai fait à la calculatrice. On obtient 26,51, etc. Ce qu'on va écrire avec deux chiffres significatifs pour arrondir à 27, puisqu'on a un 5 après la virgule. Donc on a la norme de la vitesse finale qui est égale à 27 mètres par seconde. Notre objet arrive donc sur la plateforme à une vitesse de 27 mètres par seconde. Alors maintenant, on peut se poser une dernière question pour enfin essayer de compléter cet exercice. On peut se poser la question de avec quel angle θ' notre objet arrive-t-il sur la plateforme? Et d'ailleurs, notre angle θ' se trouve ici aussi. Donc, je vais gagner un petit peu de place pour pouvoir faire le calcul. Donc on avait une vitesse horizontale de 5,2 mètres par seconde et une vitesse verticale de moins 26 mètres par seconde en valeur algébrique tout ça. Alors pour pouvoir obtenir θ prime, on va s'intéresser à la tangente de θ. Par exemple, la tangente de θ dans notre triangle rectangle ici juste là, la tangente de θ, elle est prime, elle est égale à quoi? Eh bien la tangente c'est égal au côté opposé divisé par côté adjacent. Le côté opposé à l'angle, eh bien c'est Vy final, hein, puisque on en fait la translation juste ici. Donc c'est la norme de Vy final divisé par le côté adjacent qui est la norme de Vx final. Voilà. Donc ça c'est la tangente de θ prime. Et pour pouvoir connaître l'angle θ, eh bien on va utiliser la fonction arctangente, qu'on écrit également aussi tangente moins 1 parfois. Mais ces deux fonctions veulent dire la même chose. Arctangente a l'avantage de ne pas porter à confusion, puisque tangente moins 1 peut donner l'impression que c'est 1 divisé par tangente, mais ce n'est pas du tout la même chose. Arctangente, c'est la fonction inverse de tangente. Donc pour obtenir θ prime, il suffit de prendre l'arctangente de cette expression à droite et à gauche. Arctangente de tangente, eh bien, c'est égal à l'angle. Donc arctangente de tangente de θ, c'est égal à θ. Et de l'autre côté du signe égal, on a arctangente de Vyf divisé par Vxf. Et pour finir, l'application numérique, elle est toute simple. On prend arctangente de 26 divisé par 5,2, ça nous donne 78,69, etc. Et encore une fois, nous n'avons que deux chiffres significatifs à notre résultat, donc on a θ prime qui est égal à 79 degrés. On a donc notre objet qui arrive plutôt verticalement, avec un angle très important par rapport à l'horizontale, à une vitesse de 27 mètres par seconde. Et voilà tout pour cet exercice.